Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire de la cuisine. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai vu que Sonia avait fait un gâteau au chocolat. Du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être vous proposer une recette très facile de cocktail qui pourrait accompagner le gâteau au chocolat. Alors, pour ça, on a besoin d'un joli verre, de jus d'orange. Alors, soit en bouteille comme moi, soit si vous avez la chance d'avoir des oranges, vous pouvez les presser à la maison pour faire du jus d'orange. On a besoin de sirop de grenadine, de jus de citron. Alors, c'est pareil, si vous avez des vrais citrons, ce serait bien mieux que le petit jus comme j'ai là. Mais quand vous n'avez que ça, vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron. On a besoin aussi de sucre, d'une orange, d'un couteau, une cuillère, deux assiettes et je crois que j'ai rien oublié. Alors, pour commencer, on va décorer le verre. Vous le voyez là? On va commencer par mettre, alors attendez, hop, un peu de sucre dans une assiette. On prend une cuillère, hop, et on met du sucre dans l'assiette. On secoue un peu. Ensuite, dans l'autre assiette, on va mettre du sirop de grenadine. On va mettre une cuillère. Comme le sucre, on va mélanger un peu le sirop. On prend le verre et on va très doucement poser le verre sur le sirop. On peut le faire un petit peu tourner pour que tout le bord du verre touche le sirop. Ensuite, on va mettre le verre sur le sucre. On peut demander à un adulte s'il y a besoin parce que c'est très délicat. On tourne, on tourne, on tourne, on remélange. Ah, voilà! Nous avons décoré le verre. On range les assiettes. Ensuite, on va se préparer le cocktail. On prend le jus d'orange, on met du jus d'orange dans le verre. Attention, il ne faut pas que ça touche les bords. Ensuite, on prend le jus de citron et on va mettre une cuillère à soupe de jus de citron dans le verre. Finir, on prend le sirop de grenadine et on fait pareil, on va mettre une cuillère de sirop de grenadine. Regardez, c'est joli. Pour la décoration, on peut rajouter une paille si on en a. Et on peut couper une orange, une petite tranche d'orange que l'on va rajouter sur le verre. Pour finir, si on a, on peut aussi rajouter un petit glaçon dans le verre. Voilà, le cocktail est terminé. J'espère qu'il va vous plaire. Et puis je vous souhaite de passer une bonne journée.